What's up YouTube, c'est Tonga Koji, j'espère que ça va bien. Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'application NBA 2K17 pour faire son facecam est disponible sur iOS et sur Android. Il vous suffira de taper NBA 2K17 dans la barre de recherche et vous la téléchargez. Ensuite, n'oubliez pas que la démo est disponible dès demain à partir de je pense 6h du matin sur le store PSN et Xbox. Donc n'hésitez pas à les télécharger, franchement ça vaut le coup. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler du parc, des trois parcs Ballers, Riders et Flyers comme cette année. Alors faut savoir que beaucoup de gens ont fuité ces parcs sur YouTube. Malheureusement, je ne peux pas vous diffuser la vidéo sur ma chaîne parce que j'ai pas envie d'avoir de problème avec YouTube. YouTube est très très strict sur ça. Franchement, tu peux te prendre un strike, tu peux te faire bannir. Bref. Mais le lien de cette vidéo, de ces deux vidéos, le premier lien, ce sera le parc où vous aurez tous les levels, donc rookie, tout ça. Et le deuxième lien, ce sera tous les parcs, donc à quoi ressemblent tous les parcs, ok? La première chose que je voudrais vous dire, les gars, c'est pour les levels, ok? Les levels. Donc, sur 2K17, les levels seront Rookie 1, Rookie 2, Rookie 3, Rookie 4, Rookie 5. Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5. All-Star 1, All-Star 2, All-Star 3, All-Star 4, All-Star 5. Nouvelle chose qu'ils ont ajouté. Superstar 1, Superstar 2, Superstar 3, Superstar 4, Superstar 5. Et enfin, Légende 1. Ils sont arrêtés à Légende 1. La réputation maximale sur 2K17 sera Légende 1. Alors, qu'est-ce que vous allez gagner? Alors, j'ai vu que à Superstar, alors non, avant les Superstars, vous allez gagner tout ce qui est animation et célébration. À partir de Superstar 3, vous pourrez jouer en tant que mascotte, c'est-à-dire que vous débloquerez les mascottes. À Superstar 4, vous débloquerez la possibilité d'être en skateboard. Et Superstar 5, tu débloques le God Next VIP, donc la possibilité de prendre le spot à quelqu'un d'autre. Ok? Comme sur 16. Et Légende 1, j'ai regardé et ce que vous gagnez à Légende 1, c'est 500 000 VC. Donc, à mon avis, on pourra acheter encore un. Comme pas, c'est peut-être pas un tigre, mais quelque chose d'autre qui ressemblera peut-être. Et ils ont ajouté un truc qui s'appelle être immortalisé dans 2K18. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire être immortalisé dans 2K18. En tout cas, c'est ce qu'on reçoit quand on débloque le niveau Légende. Si ça trompe, on pourra garder notre réputation dans 2K18, je sais pas. En tout cas, c'est ce qu'il y a. N'hésitez pas à aller checker ça par vous-même. Je répète, les liens seront dans la description. N'hésitez pas à aller voir ça, ça vaut le coup. Franchement, ça m'a excité pour ce 2K17. Ça vous excitera pareil. C'était Tonga Koji. Je vous dis de passer une bonne journée. A plus les gars. Peace.